parti pour ce match entre Virtus Pro et les Nocturnes. On va directement enchaîner par les piques et bans de la première manche qui se joueront sur Mangrove. On commence par un ban Fernando. Tiens, on change un petit peu les habitudes. Allez, ban Makoa derrière. C'est le ban de Virtus Pro. Virtus Pro, connu toujours pour faire un peu les trucs off meta. Un peu les trucs les plus bizarres en termes de pick et ban et draft et de ça là. Fnatic aussi, mais ils ont des bans en général un peu plus classiques. Et bon, le ban, les bans tank, donc ça va être un match très, très axé DPS flank, hein, surtout là. On a encore Buck, on a encore Talus, on a encore Bomb King d'ouvert. Pas et mal le... de gros picks. Hein. Et le but c'est de counter qui aura le tank solide et qui aura pas le tank solide, qui va se faire défoncer par le Talus peut-être ou quelque chose comme ça. Ben soit, j'allais dire Torvald étant le dernier tank, genre, enfin, principal. Je sais pas, il y a encore Inara qui est pas mal et ça, mais genre les tanks, des tanks au-dessus, bah t'enlèves Makoa, il y a Torvald, c'est un peu les deux qui se contestent dans cette OB. Est-ce qu'ils vont prendre le bug Talus pour counter? Ouais, mais d'un côté, à ce moment-là, il y aura plus de tank du tout côté NG, donc ils vont prendre Buck et Geno, je pense, ou Buck Rukus. Rukus, ce serait pas mal sécurisé, mais ouais, je sais pas. C'est compliqué. Si tu laisses un Genos Talus, c'est très fort sur cette map. C'est pas Virtus qui va jouer 3 heals. Si, Virtus Pro qui va sortir 3 heals. Non. Ouais, Buck Rukus. Avec le manque de tank qu'il y a dû à la phase de ban, t'es un peu obligé de ne pas tout donner quoi. Oui, Loulou, c'est Mangrove la map, bien évidemment. Et Genos, donc, comme tu l'as dit, avec sans doute un Talus qui va être récupéré, qui est un bon pick passe à Rukus parce qu'il peut jouer anti-heal, anti-shield. Donc, normalement, c'est Talus ici qui est lock. On lit un petit peu trop les drafts, hein. Il serait temps que Paladin nous rajoute une trentaine de champions pour qu'on puisse plus lire les drafts. Non, je déconne. Ou juste deux bans, ça serait intéressant aussi. Ouais, un deuxième ban, ça serait bien. Là, maintenant, là, il pique une fois les joueurs des NG et après, il y a un nouveau ban, là, ça serait bien. Je pense que d'ici un an, je pense au prochain World peut-être. Peut-être de faire ça juste après les PPL Final, ils disent voilà ceux qui vont au World et maintenant on rajoute un ban. Amusez-vous pendant deux mois. Amusez-vous pendant deux mois à préparer les drafts pour les Worlds. Et Inara qui est récupéré pour les NG, ça va, ils ont un tank très 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 solide, j'aime beaucoup la draft des Nocturnes. Maintenant à voir comment Virtus Pro va jouer, on prend Terminus Torvald. Terminus contre Inara c'est toujours très intéressant, tu récupères des unités charge ulti très rapidement vu que tu passes le temps sur le point juste la frapper. C'est pas tout à fait un counter pick mais c'est quand même assez efficace. Et là on voit le Grok enfin contre le Rukus, Inara j'adore avoir un Grok, c'est une très bonne map pour lui. Il permet de sustain le Terminus si les deux ils jouent ensemble sur AFK parce que Terminus il met juste sa main, il monte son reversal là et plus de cauterize, full heal tout à coup. Et une liane un peu pour essayer de sortir un peu ce style double flank pour conteste le Grok, mais c'est quand même assez immobile donc. Grok qui va pouvoir, s'ils se font pas snowball ou si le match va long, sortir un top dégâts de genre 130-150 000. Oh liane c'est étonnant! Liane c'est étonnant pour les Nocturne Gaming, on verra. Pas forcément hyper fan de ce pick Liane. J'aime bien la draft DNG sauf la Liane. Par contre la compo Virtus Pro, moi c'est le genre de compo que j'aime beaucoup sur ce patch Open Beta 63. Je miserai peu sans doute sur eux en espérant que le Torvald et le Terminus tiennent. Toi quel draft préfères-tu? Pourquoi la Liane? Pourquoi la Liane? Liane la gros Liane... il peut faire une marche spectrale. Ouais mais ça amène un peu cet aspect un peu. Ouais mais ça amène un peu ce style double flank qui va permettre de un peu immobiliser le. Enfin un peu empêcher le croc de juste faire tout ce qu'il veut. Donc c'est un pick ok. C'est vrai qu'il y a Bomb King encore d'open il me semble. Et tout ça, mais ils ont peut-être pas un bon joueur de Bomb King chez Nocturne. En général dans les régions un peu plus isolées. Avec un peu moins de bons joueurs de choix, tu trouves des rosters qui sont pas aussi flexibles que ça parfois. Donc ouais, la Liane, pas le pick opti, mais c'est pas un mauvais pick non plus. Allez, on est parti. Je pense que d'ailleurs, ça sera Ekate qui va jouer cette Liane, je pense. Sur Mangrove, c'est parti.
et c'est les joueurs des Virtus Pro qu'on voit à l'écran avec Elven Past avec son Terminus qui va aller directement sur le point et commencer les coups de massue sur la Inara. On essaye de tanker, c'est compliqué, il prend beaucoup de dégâts mais il tient. Sada qui prend le kill sur Isbin Tainer, le Talus qui est déjà mort, attention, le Terminus qui est obligé de reculer. On va lui mettre des dégâts, on lui place un stun du côté de Maldamba et il va finir par tomber. Kill récupéré par Crimson pendant que Lian est super low à droite mais elle a survécu. Et ça commence bien pour Nocturne Gaming face aux Virtus Pro. Ils se sont préparés, je sais pas ce qu'ils ont mangé, mais aujourd'hui les joueurs d'Amérique Latine ont envie de manger le reste du monde. Il y a Bittner qui se fait trade assez early quand même, c'est pas top étant le personnage qui va faire le mieux dans cette early game avec son Talus. Mais là il revient, il récupère le premier, il récupère un kill pour permettre à Virtus Pro de revenir et reprendre le contrôle du point. Et on va voir s'ils peuvent tenir. Il a pris le kill sur EKT, c'est un kill important qui va permettre à Virtus Pro de posséder le point pendant sans doute les 15 prochaines secondes. Il va falloir attendre EKT pour... Ils sont patients les Nocturnes, ils ont raison, il faut attendre le retour de Lian, faut pas trop prendre des dégâts, faut mettre un petit peu de poke. On a Bucky en haut qui essaye de spammer un peu Isbin. Isbin. Okay. Allez, on met des dégâts. Et on repart sur la rune. Pendant ce temps-là, le Terminus prend cher, il passe derrière le wall. Allez, Inara de nouveau sur le point. Cette fois-ci, ils se mettent bien. Sada qui va peut-être essayer de s'avancer. Le petit Grok avec le petit Géros, on n'a pas réussi à toucher malheureusement, on fait un très bon fire et KT qui essaye. Oh, ça touche ! Ça touche ! Ça touche ! Et oui, ça touche ici et KT qui une nouvelle fois permet à son équipe et son équipe aussi un sacré gros combo. Il est content avec KT, il est content avec KT, ils prennent le premier point, il est chaud. Hein. Attention de ne pas trop exulter, il faut rester concentré, c'est que le premier point de ce match très important, le match 9 des Nocturnes qui pourrait rentrer dans l'histoire hein, s'ils vont aller chercher une demi-finale face à Navy. Il y a l'ulti Maldamba là qui a été énorme quand même, juste après l'engage avec l'ulti Grok. Talus qui pour l'instant n'a pas encore pu trop s'exprimer vraiment dans cette game. L'ulti... Oh là 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 là, ils ont fait quoi? Ils ont pris quoi comme produit dopant? Ils ont pris les granolas, bien évidemment, les joueurs des Nocturnes, et ça fait gagner Granola ici, qui est leur futur sponsor, je pense. Je ne sais pas ce qu'ils ont mangé, mais là, très clairement, ils sont en train de détruire complètement Virtus Pro. Thorvald qui claque un ulti qui sert pas à grand-chose, malheureusement. Les Virtus Pro qui sont complètement... dans un déboire là, c'est vraiment difficile. EKT, oh là là, les PV qu'ils font, yo-yo, ils tombent quasiment à zéro, puis ils remontent full life. La force de l'early, on prend le kill sur size. Derrière, oh, c'est l'hécatombe! C'est le 2-0! C'est le 2-0 qui arrive! Même si Terminus va claquer son ult, même pas le temps! Même pas le temps! Et les Virtus Pro qui perdent la première manche, et 2-0 pour les Nocturnes, l'équipe d'Amérique Latine qui pour le moment fait un énorme match et une énorme journée surtout. Virtus Pro qui a pas trop réussi à stabiliser pendant toute cette game, ils se sont pris le first blood. Ensuite, bien qu'ils aient repris le contrôle du point, ils ont jamais eu le temps de full regen, même s'ils ont un Genos avec la légendaire de heal. Et ça a permis juste à... ça, ils ont dû reculer, redonner le point et essayer de rentrer avec l'ulti Grok et c'est pas trop passé. Donc, qui a gagné le Rakanga et Nocturne? Bah Nocturne, vu que c'est eux qui jouent maintenant. Attention. C'est la manche importante ici pour les Virtus Pro. Il faut aller chercher des kills. On voit, hein, c'est difficile. Hein. 2 kills seulement pour les Virtus Pro. Dans cette première manche, il va falloir faire mieux cette fois. Allez, on met du dégât. Oh, directement, Talus obligé de temporiser pour Regen. Thorvald également, on décide d'y aller du côté de Sadak. Sadak complètement on fire qui va aller chercher son kill en 1v2. Double kill de Sadak qui roule complètement sur la game. Le Terminus qui va tomber, qui va raise instant. Non, il peut pas parce qu'il sait très bien que s'il le claque maintenant, son équipe est pas là pour le défendre et il remeurt direct. Donc il est obligé de l'écho. 70% pour les joueurs des Nocturnes. Attention, on se dirige sur un 3-0. Est-ce qu'on va réussir à faire la technique du frein pétale de je sais plus quoi de Alex? Attention, Talus qui met le combo. Oh, Talus qui se fait finir par Crimson. Derrière Thorvald qui tombe. Et le Terminus. La Liane qui essaye de survivre, qui met de bons dégâts, qui va permettre à Scythe d'être tué par Sada. Qui reste plus que Terminus seul sur le point. Qui là va être peut-être obligé de claquer son ult. À la dernière seconde, ça y est, c'est fait. Crimson le serpenté. Derrière, on met un wall.
On va essayer d'aller chercher d'autres kills. Le Terminus, le Tidinara. Boum, on met le combo sur Thorvald. Thorvald qui tombe des coups de Sada, comprend le kill sur Heaven Pass. Non, rien n'y fait. Rien n'y fait, les Nocturnes sont trop chauds. Et les joueurs des Nocturnes mettent leur troisième Puntos. 3-0 face à Virtus Pro sur Mangrove. Et Sada qui fait une game énorme, mais... Virtus Pro qui n'arrive pas à se placer pour bien utiliser leur Grok. C'est qu'il ne doit pas avoir des bonnes stats dans cette game, juste du... Grok c'est très bon quand les matchs sont un peu plus organisés, mais quand c'est un défouloir un peu comme ça, c'est compliqué. Ouais, Sada complètement on fire, hein, qui allait chercher le kill sur Elven Pass derrière, Yvin qui prend le kill sur IKT. Et le pick recul c'est un peu bizarre. Le pick, je veux dire, Terminus par recul. Attention les dégâts sur Size. C'est bien joué, il temporise avec l'émetteur. Il dash vers l'avant, fusil logique, le Rukus qui s'enfuit avec ses deux dash, il a pris cher, il se fait finir par Side, mais c'est pas grave parce que pendant ce temps-là, fusil logique fait la différence. On prend le kill sur Sadak, on retombe à côté du Genos, là, l'emprise du vide qui fait la différence, mais il tank, fusil logique, il tank dans l'ulti de Gros qui s'en bat les couilles. Attention, le kill sur Thorvald, bien joué, les Nocturnes sont à quelques centimètres de gagner ce match. On a Elven Pass qui essaye de temporiser avec son ulti Terminus, ça ne suffira pas, et les Nocturnes remportent donc cette première map. 4-0 contre Virtus Pro. Mais what the fuck? Comment les Nocturnes peuvent faire ça alors qu'ils avaient fait des matchs très moyens dans les premières journées des Worlds? Ah là 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 là, ils sont incroyables et ils mènent 1-0 face à Virtus Pro. Il leur reste deux maps à gagner et ils sont en demi-finale face au Navy. Allez, on est parti donc dans la deuxième map entre les Nocturne Gaming et les Virtus Pro. Les Virtus Pro ont perdu la première map. Les Nocturnes seront donc Blue Side cette fois-ci. Virtus Pro côté rouge. On va voir si on va revoir des snipers sur cette map, des Grovers. Le Grover, je le verrai bien sur Isbeat. Je verrai bien le Strix de EKT sur cette map. Donc on va voir ce qu'ils vont décider de prendre. Bah déjà, on va voir la phase de ban... qui est toujours assez intéressante dans les équipes comme ça, qui sortent en général des trucs un peu plus hors méta, pas des bans Pumpkin Makoa classique. On voit Nocturne qui ne ban instant pas, un ban Terminus c'est intéressant comme ban. Je suppose que le ban Terminus, je le vois plus un peu en ban random juste pour se débarrasser d'un ban. Ouais, je pense pas avoir vu Virtus Pro genre abuser trop de Terminus sur cette map. Si, après, c'est le seul à l'avoir sorti de la compétition, je crois. Il le joue, oui, mais je veux dire spécifiquement avec une stratégie définie sur Frozen Guard, je m'en rappelle pas. Après, bon, on les a pas trop vus récemment. Allez, on prend Fernando. Et derrière, on va partir sur le Rukus. Ça y est, on ne laisse plus le Rukus à Sadak. Côté des NG, je pense qu'on va partir sur Inara et un heal. Ça serait bien de la prendre maintenant. Geno aussi. Potentiellement qui va sortir la même strat double flank sur cette map. Peut-être un Talus ici. Talus pourrait être bien pour contrer Rukus aussi en effet. Moi j'aurais plutôt sécurisé le tank de peur, mais bon, c'est vrai que t'as raison, ici ça sera plutôt Talus pour peut-être counter les deux shields et les deux. C'est tellement un perso puissant contre Fernando et Rukus Talus que il sera forcément pick ici. Et voilà la même strat qu'on a vu à chaque fois sur cette map. Ça plus le triple tank et deux heals. Ouais, c'est pour ça j'avais peur que là Virtus prenne encore une nouvelle fois un tank. S'ils leur prennent Inara là maintenant, ils prennent quoi NG? Ils ont encore Barik, Toppen, ouais, H, Torvald. Top, Barik, ouais, Torvald, ça serait Torvald. Donc Shaline. Certains Shaline, ok. Bittner a un Shaline insane, je pense, c'est un des meilleurs Shaline au monde. Il est incroyable sur Shaline, mais il ne joue pas trop en tournoi, donc on voit pas plus que ça, mais c'est un grand game changer ce Shaline. Et un Damba. Et je pense que côté NG, on va peut-être partir sur Inara Strix. Dépendant de s'il sort un Strix, un potentiel triple tank serait pas mal du côté de Virtus Pro. Juste parce qu'ils auraient juste à gérer avec le Talus et ensuite les autres personnages, ils font pas trop contre les tanks. Quoi. Un bug contre les tanks, c'est pas énorme. Un Strix, c'est un peu mieux, mais bon, non plus. Il décide de jouer du double tank et de jouer le combo
En même temps, ils ont Torvald, Puck, Egenos et Talus. C'est quand même archi violent. On sait que ça fonctionne très très bien ensemble. Donc ils décident de jouer. Et KT, faut pas oublier, hein, la troisième map contre Kanga, il a joué Talus et il a plutôt bien joué. Hein. Il a réussi à prendre 2 ou 3 doubles dans la game. Il a fait le café. Hein, donc à voir s'ils arrivent à refaire ça. On est sur une map finalement avec un seul sniper. Donc c'est une map où il y en a pas mal. Hein. Shalin, on peut dire, hein, c'est un semi-sniper. C'est un perso qui reste quand même à long range. Avec le Bomb King qui, comme tu l'as dit, est pas trop mal sur cette map. Hein. On arrase 2 points. Ça va vraiment gêner. La Inara, la solution, elle peut mettre un wall. Mais Torvald, c'est compliqué. Il est obligé de reculer et de partir sur résilience. A voir donc comment s'en sortira le Rukus sur Dôme Glacé. Cette fois-ci, il est dans la main des Virtus Pro. On va voir s'il fait autant la différence que quand il est joué par Sadak. Ils ont Safi Cloud, il me semble. Safi Cloud, un grand joueur de Rukus. Je suis assez fan. Bon, ça fait un peu de temps que je t'ai pas parlé, mais futur perso Rukus. Rukus Victor, il est assez fort sur ce passage-là. Donc on a les pics, rien de spécial, les gens sur le personnage. Ouais, normal, hein. Et KT qui est parti sur le Wicker, comme on l'a dit, pour bouffer les shields de Fernando et de Rukus en début de partie et mettre l'anti-heal dans son deck. Allez, c'est parti. Côté Elven Pass, on prend l'attaque sur la Inara. On met la bombe grognon, le Talus qui va devoir repartir, la Inara qui prend des dégâts et qui se wall. Pour le moment, ça se joue Aegis alors qu'ils ont un double tank, intéressant le shield infini sur Fernando, il veut juste l'abuser je suppose, le spammer. Et pour le moment on n'arrive pas à aller chercher le Shalin, on met un petit peu d'Arras, ça se regarde beaucoup, fusil logique qui essaye d'harceler Shalin, ne veut pas le laisser jouer. On réussit à mettre de bons dégâts, on force le retrait, ça c'est une bonne nouvelle, il décide d'y aller, c'est très agressif avec le shield de Torvald, il se prend le stun et tu l'as dit, hein, extrêmement fort sur son Shalin, là ça fait la différence, derrière Coco qui prend le kill sur EKT, les deux flancs sont morts, les joueurs des Virtus Pro vont prendre possession du point, maintenant il faut essayer, oh ils vont complètement, et Inara elle doit suicider, et Genos aussi. Voilà. Et il cherche le stagger, ça va, il cap 30%, je pense qu'il n'y a personne derrière les lignes de tank, non, ça donc ils n'ont pas trop pouvoir toucher. Pour Virtus Pro ici. Ça passe pour Virtus Pro et comme tu l'as dit, hein, le Shalin qui a débloqué la situation, vraiment très très bien joué. Il était au taquet sur cette flèche empaleuse qui a permis de prendre le kill sur Buck. Le shield de Torvald ne change rien. C'est là que tu vois que le nouveau shield de Torvald, il se prend pas le stun. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas l'augmentation de dégâts. Ouais, mais ça se joue avec ça en ce moment. Hein. Ouais, je me doute bien. Ça reste toujours Game Breaker. Les dégâts plutôt que le fait de ne pas contrôler. Allez, on met de beaux dégâts du côté de fusil logique, c'est bien là. C'est un sursaut d'orgueil là de la part des Nocturnes parce que ils ont pris très cher sur cette première manche. Qui touchait du temps par contre, Bak qui va go in et tenter de clean tout ça. On recule, il réussit à s'en sortir, mais. EKT qui s'est fait tuer par le Shalin. Pour le moment, ça va être un danger. Hein, tu l'as dit, c'est un des meilleurs Shalin pour toi. Et bah, il le montre hein, dans cette game. Pour le moment, il est très très solide au niveau de l'aim. Et jouer contre deux flancs, pourtant, c'est très compliqué. Il y a Bittner, Insane, on l'a vu sur Shalin, sur des Frogile pour les PPL et tout ça. Et c'est incroyable. Allez, bon, ça stabilise. Hein. Il s'est trouvé un opening un peu stacké de côté droit, de côté Nocturne. Donc on voit un flanc potentiel à gauche même s'il y a Talus là-bas qui garde la vision. Ouais, il y a le Rukus qui gère le côté droit et qui empêche Fusil Logique d'avancer à 1 pour 1. Et KT qui tombe mais Sadak a pris le kill sur Elven Past. Ils vont avoir plus de difficultés pour avancer. C'est Ficlat qui arrive. Le shield de limiteur de Rukus qui fait la différence et qui permet de tanker cette ultimate de Buck qui a été claqué. Et l'ulti bug pour faire reculer Rukus, mais qui s'en sort gratuitement. Donc juste une ulti trade pour rien. Il s'enfuit avec le bon héroïque, le bug. Ils réussissent à avancer. On prend un deuxième kill côté des Virtus Pro. Et ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué pour les Nocturnes. Là, le payload qui est en train d'arriver. Et ils vont directement prendre possession. Ou en tout cas essayer de dégainer sur les hauteurs. Ça y est, on a le Rukus qui est en haut. Donc ça va commencer à être compliqué. Le Fernando qui essaie de profiter de son shield et de tenir. Shalin qui va essayer d'aller chercher EKT, les dégâts du percut, EKT qui survit, Pululé qui prend le kill sur Elven Pass, on prend le kill sur Kog, et ça fait la différence, on va réussir à aller chercher le 1 pour 1 sur cette première manche côté des Nocturnes. Pour le moment, ça se passe bien pour eux, ils arrivent à défendre et ils vont pouvoir commencer la deuxième manche des deux côtés avec 9 ultis, on a juste le Buck qui n'est pas là.
On va voir au niveau des combos comment ça se passe. On a le combo Talus Genos qui est du côté des Nocturnes. Est-ce qu'on va essayer d'aller sniper le Shen? Yep, Talus Genos, Inara Buck, Inara Genos. Pas mal de bons combos. Le seul Torvald qui est pas insane. Il a genre un opening sur cette map où ils peuvent dégager les gens du côté droit, mais pas plus que ça. Bon. Kouleolé qui doit avoir froid quand même. Il doit être malade ou quelque chose avec son. Avec son pull, ça fait un peu bizarre, sauf si c'est un pick-up et qu'il a pas de t-shirt, je sais pas hein, s'ils ont des subs je sais pas, côté nocturne. Allez, on est parti, on va essayer de mettre des... on est sur le point de côté d'Inara, Inara emblématique, un personnage qui campe le point. On met le wall pour... on va pas avoir besoin de mettre le wall en plus pour éviter le stun. L'outil de Genos qui ne passera pas sur le Shaline. Derrière, on essaye de passer et de survivre. Côté Talus, on met des dégâts. On force l'outil de Shaline. L'outil qui a été claqué. Finalement, on va aller sur ces ficlas. Donc, c'était un outil très étrange. Résultat, Saïs prend le kiss sur EKT. Et ça se passe bien encore une nouvelle fois pour les Virtus Pro. L'outil de Fernando pour continuer d'avancer avec l'outil BK. BK qui prend très cher, le très bon stun. Et le Shaline qui fait la différence derrière, qui met beaucoup de dégâts. Et on réussit à tenir. L'outil de Buck a été claqué. Ça sert pas à grand chose. Inara qui s'est un petit peu split. Ça va être compliqué. Ils sont très séparés les joueurs. On revient sur EKT. EKT est obligé d'utiliser sa rune. On va essayer d'aller chercher fusil logique. Allez, on est sur le point côté Virtus, 96% les dégâts, insane ici, on prend 3 kills du côté Virtus Pro et on va caper le point. Icebee qui essaye juste en fait de survivre ici, c'est pour ça qu'il rate ses flèches et parce qu'il les lance vraiment très très vite en même pas en bordant à peine l'arc pour essayer de prendre le kill sur Genos sans mourir. Et il joue safe avec son Shaline, très clairement. Il était un peu du côté adversaire quand même, mais ouais, il jouait un peu agressif, mais là, il cherche juste à survivre pour pas avoir un reset, pour pouvoir avoir autant de push que possible ici au début, sans devoir reculer trop tôt. Allez, on met du POC, et on commence à push côté Virtus Pro. Allez, le POC qui va être mis ici, sur le de la part du recul, du Bomb King, pardon, on spam. L'arrivée du recul, c'est KT qui est obligé de s'enfuir. Il a mis un joueur low, mais derrière, ça permet pas de sécuriser kill. L'outil Genos qui est claqué, ça fait pas la différence. Coco qui prend le kill sur sa dague. Derrière, on va peut-être aller chercher Pululele qui est en difficulté. Il est derrière son wall. Et KT qui décide d'aller dans la mêlée encore. Il est obligé de repartir sur sa rune. Il essaye de merde de la race ici. Attention, ça va être difficile. Ils se sont wallés. On prend 3 kills du côté des Virtus Pro. Et on continue d'avancer. La hauteur ici, on bouge un petit peu le Torvald. On y va du côté de Bomb King, on y va aussi du côté de Rukus. Ça va être difficile pour les Nocturnes de défendre. Ils vont essayer de se regrouper. On est à 1 minute 16 encore de la fin du push. Donc, et on est à quelques centimètres du push réussi. Oh là là, quelle erreur! Sadak qui avait pas vu la sticky qui était posée sur le sol. Et il s'est fait complètement imposer. Une réaction en chaîne. Et la sortie, c'est probablement push pour... Pour les Virtus Pro, hein, avec l'avantage qu'ils ont, l'ulti dans la puissance. Ils veulent essayer d'économiser le maximum d'ulti. Lulele qui prend le kill. C'est une perte d'ulti et juste encore un peu plus de décalage dans l'équipe. Hein. Torvald qui avait un potentiel d'une bonne lutte parce que le côté gauche est ouvert de la map là. Mais il essaye de tenir fusil logique, mais c'est compliqué. Unstoppable. Et ça passe pour les Virtus Pro qui mènent donc 3-1 sur cette game. Et Sizeki, bien qu'il soit un sub, représente encore sur son Bomb King comme hier, il joue bien. Bien qu'ils aient perdu face à NIP l'autre jour, son Bomb King avait fait une bonne prestation et encore une fois ici, on va sortir des grands plays pour finir les push et tout ça. Il est là quand il le faut. Allez, on va voir comment ça se passe dans cette troisième manche. Troisième manche importante, si les Virtus Pro capent le point central, ils reviennent à 1. Partout dans ce BO5, ça serait bien, hein. Ça serait bien pour le jeu. On voit que ça a été beaucoup plus difficile pour les Nocturnes de s'exprimer du côté de Fusil et de EKT. Ils ont préféré faire une compo sans sniper
Et le problème, c'est que les Virtus Pro sont assez solides au niveau défensif. Ça, ce qui va être utile, il y a le superbe wall de Fernando qui accompagne et qui protège ce Bomb King pendant toute la première partie de son animation d'ultimate. Et ça, ce qui va prendre un triple là avec l'aide de Sephy Cloud. C'était pas mal de la part de EKT, mais c'est compliqué. On reprend possession du point côté Virtus Pro. Vraiment superbe combo d'ulti avec l'ulti BK et l'accompagnement de Fernando qui va avec. Il y a juste l'allée suivant, mais bon, il peut pas rentrer dans le 1v2. Là, ils ont récupéré leur tank Virtus Pro qui sont arrivés au point un peu plus vite pour ce reset, en plus du free cap qu'ils avaient. Ils ont encore deux ultis à leur dispo. Bah voilà, une maintenant avec l'ulti Maldamba qui va être claqué pour trail. Oh, Fernando qui s'est fait tuer sans utiliser son ulti. Aïe. C'est une erreur ici qui a été faite par Elven Pass. Derrière, on est en train de prendre énormément de dégâts. Il faut rush Sephy Cloud. Il faut prendre ce délai. Il faut le délai kill. Tout à fait, ça y est, il a été forcé d'être tué par Crimson. Et derrière, on n'arrivera pas à tuer le Shaling malheureusement. Il a réussi à se mettre en position. Le combo de Talus sur le joueur de Bomb King. EKT qui gagne juste du temps pour permettre à son équipe de caper le point. Et les Nocturnes ne sont pas encore finis dans cette map. Ils reviennent à 2-3. Yep, avec la comeback mécanique, les Nocturnes ont pu cap ça assez vite après avoir gagné le fight de retour. Et bon, maintenant c'est un pour une défense pour les Virtus Pokion. Encore une fois, avec cette combo double flanc, c'est pas la meilleure pour push. Donc avec un Bomb King à chaîne, c'est beaucoup facile de tenir le spawn en haut et juste continuer à spammer. Donc ils vont peut-être avoir un peu de mal. Tina pour aller stun, mais derrière EKT qui se fait imploser par triple kill de Shalyn, extrêmement solide sur ce coup. Il va peut-être aller chercher même un quadra. Ouais, il cherche le delay. Le stagger, ouais. Comme on dit. Ouais, forcément. Voilà. Ils mettent du temps à tuer Inara pour grappiller quelques secondes. C'est bien joué. Comment on link son compte? Point d'exclamation link, il y a quelqu'un qui l'a fait et tu peux linker ton compte Twitch à Paladin. Allez, on va essayer d'avancer. Ouais, Nocturne prêt à faire l'assaut. Shaline pas dans sa position de préférence, il préfère être dans le spawn, mais là il a pas le temps d'y retourner, de monter. Il va y aller. L'outil de Geno, ça touche pas. Failli passer sur le Bomb King, en vrai, moins d'une demi-seconde de différence et ça serait passé. Et là, Nocturne qui a quand même réussi à avancer pas mal jusqu'aux portes du spawn, mais c'est à ce moment-là que ça devient compliqué quand l'équipe adverse est setup en haut et que toi tu te retrouves juste dans un bol où tu te fais tirer dessus de tous les côtés. Allez, Bucky se fait shield, derrière on met le tir à l'arrêt du côté de Shaline. Bucky va essayer d'aller gêner Isbin. Oh, c'est un bon taf ça de Fusil Logique avec le shield qui va parfaitement derrière. C'est vraiment bien joué de la part de Fusil. Derrière, il a mis le recus assez low. Est-ce qu'on peut sécuriser un kill? 2-3-2. Défense c'est... de Virtus Pro, je suppose. Ouais, défense d'Ivirtus. Il avait réussi à prendre le premier kill, mais le Buck était sur le point de mourir. Et même si le recul c'était low, c'est encore un shield et à côté de son spawn, potentiellement il pouvait juste reculer et se reset. Allez, on est parti donc dans le début de la nouvelle manche. Et il faut absolument que les Nocturnes capent le point s'ils ne veulent pas perdre cette deuxième map. Le combo ici de side est un petit peu plus étonnant. Il s'est pas fait counter. Isbin qui prend le kill sur Crimson. Derrière Isbin qui prend un deuxième kill. On prend un troisième kill du côté des Virtus Pro. Quatrième kill ici d'Elven Past. Et on va délai kill complètement. Non, pas d'idée. Parce qu'elles font sur le point pour... Ouais, ils voulaient commencer à free cap. Avec la compo qu'ils ont, ils peuvent ne pas délai kill quand ils sont sur le zoning parce qu'ils ont de quoi avec un Shaline vraiment dismount à distance en face. Il n'y a plus ulti Talus vu que c'est utilisé, donc ils ont que deux personnages, ils ont que des tanks lents, ils ont que le Buck qui peut potentiellement jump in et ça se punit assez vite en late game comme ça avec tout le côté reste du monde. Genre t'envoies l'Inara là, pour toucher le point. Par contre, double kill hein, quand même. Double kill de Crimson et Fusil Logique. Derrière, on prend le kill sur EKT du côté de Shaline, le Buck. On va réussir à contester. Oui, est-ce que il va mourir? Oui, Coq qui tombe. C'est bien joué de la part des Nocturnes. Ils vont caper le point beaucoup plus vite. Et là, on prend un superbe kill sur Shaline qui va mettre vachement de temps à revenir. Les deux tanks sont déjà là, mais ils sont sans DPS. Bon, ils ont leur BK, mais ils n'ont pas de heal et ils n'ont pas leur Shaline. On va réussir à caper du côté des Nocturnes et à revenir à 3 partout. Bien joué de la part des Nocturne Gaming qui reviennent finalement dans cette map et qui n'ont pas encore lâché.
vraiment extrêmement étonnante, hein, cette équipe d'Amérique latine sur cette quatrième journée des World de Paladins, qui surprennent beaucoup en étant toujours capable de comeback et en faisant des bons plays venant un peu de tout le monde, hein, Fusil Logique, EKT, Sadak, vraiment tous très très solides. Ouais, pour bah le après, moment, on voit international comme ça en général, c'est tous des joueurs bons individuellement. C'est pas mal. Bon, il y a un peu de. Ça parle dans le chat de. Ils pensent qu'il y a du drama avec la pause et tout ça. Le décalage. Le stream en soi est un peu décalé avec le gameplay, donc le point était probablement déjà fini avant qu'il pause ou avant que le stream freeze. D'où juste les visages sérieux, normaux des joueurs. C'était pas en train de se plaindre. Mais bon. Non, avoir 3-3, push, il reste quand même 1 minute 30 avec que 10% à finir. C'est un très grand potentiel là pour les Nocturnes de remporter ce deuxième. Oh, il met le coup de poing pour pouvoir aller chercher directement des dégâts sur le Chaline pendant que Fusil essaye de l'attaquer également. C'est Ficlas qui prend le kill sur Crimson. En profitant bien évidemment de cette attaque sur le Chaline, il est descendu et il a pris le kill sur Crimson qui n'avait personne pour l'aider. On met beaucoup de dégâts mais ça va être compliqué. On prend le kill sur Torvald. On est parti sur une défense. Et là les joueurs des Virtus vont être bien positionnés sur les hauteurs et ça va être très difficile d'attaquer. Il leur reste une chance, les Nocturne Gaming. Est-ce qu'on va claquer d'autres ultis? On a l'ulti d'Inara qui est dispo, l'ulti de Buck qui revient, l'ulti de Torvald qui aura peut-être le temps d'être rechargé. On peut être à sans doute 3 ultis à 5 si on le veut, enfin 5 ultis à 3 du côté des Nocturnes, parce que Virtus, je vois pas le retour de l'ulti balle d'en bas extrêmement vite en 30 secondes comme ça. Chaline encore c'est faisable s'il a pris motivation, mais on pourrait avoir un avantage d'ulti côté Nocturne si on le veut. Ouais, là quand même 30 secondes, là, il reste presque plus rien à push, les conteste en haut, le Fernando comme d'habitude, on le voit sur les maps, là où tu peux abuser un peu la hauteur comme ça. Et Nocturne qui doivent engage avec un soit une ulti Talus, soit un bug qui, là, comme il fait un petit flanc pour tenter de faire quelque chose, mais sans ult, ça va être un peu compliqué. Tenter le push, mais on sait jamais. 10 secondes, c'est maintenant ou jamais. Non, 6 qui récupère le premier kill, 6 qui prend double kill. Ça trade un tank et l'anti-tank principal, ça va pas trop pouvoir faire grand chose, non. Et ça signifie que Nocturne va avoir, Virtus aussi a quasiment tous ses ults. Ça va être très très tendu ce final round entre les équipes d'Amérique latine, les Nocturne Gaming et les Virtus Pro. C'est maintenant, c'est soit une balle de match, deux balles de match derrière pour Nocturne Gaming, soit un comeback des Virtus Pro un partout. Ça va être tendu, je pense, et j'espère que vous êtes chaud pour cette quatrième manche qui sera très très importante pour les deux équipes. Il faut rien lâcher du côté des Nocturnes et côté Virtus, il faut réussir à revenir parce qu'ils étaient quand même, devant pendant très longtemps sur cette map, hein. Ils ont mené 3-1 et ils sont fait rattraper 3-3. Il va falloir réussir à être plus sérieux sur le point central. Yep, cette fois pas de comeback mécanique à l'avantage des Nocturnes, donc ça va être un fight pur avec les mêmes avantages pour les deux équipes. Après en termes d'ulti, ils en ont un peu plus, mais Bittner qui va avoir son ulti instant, mal d'en bas à 84% à quelques heals, et il aura déjà son ult aussi. On met de la race du côté des KT, il est obligé d'utiliser sa rune, il a pris tellement cher alors qu'il a mis quasiment aucun dégât. Nocturne qui a quand même free cap 40% sans prendre un seul trade, donc c'est pas trop mal. Ouh, le mal d'en bas face au buck 1v1, c'est pas top ça. Claque son fear, ils veulent peel, ils veulent l'aider. Derrière on prend le kill sur Cock qui tombe, derrière Saïs qui prend le kill sur EKT avec l'un de bon ulti Bomb King, on a réussi quand même à pas mal se protéger, Fernando qui est un petit peu tout seul, ils veulent forcer l'ulti Fernando utilise son ulti, l'ulti de Torvald pour bouger Saïs, derrière Fernando qui va sans doute tomber des coups de Torvald, attention on prend deux kills du côté, on va prendre Isbin qui est tout seul face à Fusil Logique et Fusil Logique qui prend le kill, 67%, il faut cancel les montures, il y a quelqu'un qui est passé mais c'est pas grave parce qu'on prend le kill sur Saïs, derrière il faut aller cancel les montures, mal d'en bas tout seul. Ouais, c'est terminé. Non, très bon wall. Et c'est fini. Les Nocturne Gaming mettent 2 à 0 contre les joueurs des Virtus Pro. Les Nocturne on fire qui mènent donc 2 à 0 dans un BO5. C'est-à-dire qu'il ne leur manque plus qu'une seule map. Et ils éliminent Virtus Pro des Paladins World Championship 2018. Et ils se qualifieraient en demi-finale contre les Navy.